Virginie Efira achève une année 2021 très chargée avec le film Madeleine Collins. Elle a célébré la sortie en salle en assistant à l'avant-première. Après avoir habitué les photographes au robot de couture, l'actrice a cette fois opté pour un look bien plus décontracté. Sa nomination au César grâce au film Adieu les cons, la promo de Benedetta, son job de jurée à la Mostra de Venise, Virginie Efira aura vécu une année forte en émotions. Elle l'achève avec un nouveau film, Madeleine Collins, sorti en salle ce mercredi 22 décembre. L'actrice belge de 44 ans a célébré cette sortie en assistant à une avant-première. La projection spéciale a eu lieu mardi 21 décembre 2021, au cinéma UGC Ciné Cité Les Halles, dans le premier arrondissement de Paris. Virginie Efira y a retrouvé plusieurs de ses partenaires de jeu, dont Bruno Salomon qui joue son mari dans Madeleine Collins après avoir habitué les photographes au robot de couture lors de ses dernières apparitions. Virginie Efira avait cette fois enfilé une tenue nettement plus casual mais quand même chic. Elle portait un blazer noir, une chemise rayée, un pantalon en cuir et des escarpins noirs pour reprendre les mots de Virginie. Le film Madeleine Collins raconte l'histoire d'une femme menant une double vie et dont l'équilibre se fissure peu à peu. Cette femme, Judith Fauvet, interprétée par Virginie Efira, a deux familles, la première avec son époux, Melville Fauvet, joué par Bruno Salomon, et leurs deux garçons, et l'autre avec un amant, Abdel, incarné par Kim Gutiérrez, et leur petite fille. Le personnage de Virginie Efira partage son temps entre la Suisse et la France, où elle mène ses deux vies. Rattrapée par ses mensonges, ses secrets et ses allers-retours incessants, Judith prendra une décision radicale le 5 janvier prochain. Virginie Efira se mettra en scène dans un nouveau rôle dans le film En attendant Beaujangle. Elle en partage l'affiche avec Romain Duris et a récemment assisté à l'avant-première au cinéma Pathé Opéra à Paris. Sur grand écran, Virginie Efira enchaîne les relations fictives. En réalité, elle vit une belle histoire d'amour avec l'acteur Nils Schneider, rencontré sur le tournage du film Un amour impossible. C'est très bizarre de tomber amoureux quand on joue la perversion et l'inceste, souligne-t-elle dans un portrait dressé par Libération. Dans Un amour impossible, les personnages de Virginie Efira et Nils Schneider ont une liaison et donnent naissance à une fille, que Nils Schneider refusera d'abord de reconnaître, avant d'abuser d'elle.